Amis internautes de la Web TV Event News TV, bonjour. Nous sommes ce matin en compagnie du Premier ministre de la Centrafrique, M. Nicolas Tengai. Bonjour, M. le Premier ministre. Bonjour. Alors, dites-nous les raisons qui vous ont amené jusqu'en France. Je reviens de New York où j'ai participé à la réunion du Conseil de sécurité où le dossier de la population africaine était inscrit à l'ordre du jour. Et donc, j'avais eu à donner la position de mon pays par rapport à ce qui se passe depuis quelques mois. Alors, vous êtes en fonction depuis le 3 février 2013, je crois bien, et les gens se posent la question à savoir comment se fait-il que l'unanimité s'est faite autour de votre nom, parce que vous avez travaillé un peu avec le président sortant Bozizé, et vous vous retrouvez avec, à la tête de la transition. Alors, qu'est-ce qui a poussé les uns et les autres à faire l'unanimité sur votre personne? Je n'ai pas travaillé pour l'un et l'autre. Je suis le Premier ministre issu d'un accord politique qui a été signé à Libreville le 11 janvier 2013. Et cet accord avait prévu que le Premier ministre devrait être issu de l'opposition démocratique, bien entendu de l'époque. Et l'unanimité, bien entendu, a été faite au niveau de l'opposition sur mon nom. Et c'est ainsi que dans la continuité de cet accord, je suis resté à ce poste de Premier ministre. Plusieurs semaines après la chute du président Bozizé, les troubles et l'insécurité persistent dans la capitale centrafricaine, et ce malgré la présence de la FOMAC, la Force Multinationale d'Afrique. Vous avez vous-même fait appel le 8 mai dernier aux forces françaises pour pacifier le pays. Alors, dites-moi aujourd'hui comment se porte le pays que vous dirigez. Disons que le pays est toujours confronté à un grave problème d'insécurité. Bien entendu, cette question peut être réglée simplement au niveau national. C'est la raison pour laquelle les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, s'étaient penchés sur la RCA, qui est effectivement malade, et ont décidé d'augmenter le nombre des éléments de la FOMAC, c'est-à-dire de la Force Multinationale de l'Afrique centrale, à 2000 hommes pour apporter plus de sécurité dans le pays. Alors, depuis le changement de pouvoir, le 24 mars dernier, s'est instauré un processus politique de transition qui doit certainement aboutir à des élections. Mais vu les velléités des uns et des autres, on se pose la question à savoir si on pourrait aller au bout de ce processus. Est-ce que vous avez des inquiétudes? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait aboutir à des élections au bout des 18 mois que les chefs d'État d'Afrique vous ont fixés? Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de prioriser le problème de la sécurisation du territoire national. Je crois qu'il faudrait que nous commencions par cette priorité. Et lorsque nous aurons réglé la question de sécurité, je pense qu'on pourra envisager avec optimisme la question des élections. Mais je vous informe que d'ores et déjà, au niveau du Conseil national de transition, le nouveau code électoral a été adopté, ce qui veut dire que nous ne perdons pas de temps sur des questions aussi importantes que la résolution de la question des élections. Mais 18 mois, c'est un peu trop, ou alors vous pensez que vous aurez besoin d'un peu plus de temps? Mais c'est en fonction de l'évolution de la situation. Je pense que on parle de 18 mois, 24 mois aussi, 24 mois maximum. Donc pour l'instant, il est trop tôt pour qu'on puisse se prononcer sur la question de la durée de la transition. Alors, vous êtes d'abord un peu état issu de la société civile. Désormais, vous êtes chef de parti. Quel est l'avenir politique que vous réservez vous-même? L'avenir politique, je crois déjà que j'ai dit que pour l'instant, pour assumer les fonctions de Premier ministre, les conditions étaient claires. C'est que ceux qui assument les fonctions de chef d'État de la transition, Premier ministre, ministre et membre du bureau du Conseil national de transition ne seront pas candidats à l'élection présidentielle. Donc, je me suis un tout petit peu sacrifié pour cela. C'est pour ça que je dis que ma mission est un sacerdoce de l'État central. Alors, vous-même, vous savez très bien que le Tchad, qui est juste à côté de vous, est un voisin qui vous a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aide pour qu'aujourd'hui le pays puisse avancer. Malheureusement, du côté du Cameroun, on a comme le sentiment que beaucoup de choses ne sont pas encore mises au point. Alors, quels sont vos rapports avec le Cameroun? Mais nous n'avons pas de mauvais rapports avec le Cameroun.
pense que les relations bilatérales entre la République centrafricaine et le Cameroun sont au beau fixe et que je pense que bientôt le chef de l'État fera une visite d'amitié au Cameroun. Justement, le président du Toudia vient de faire une tournée sous-régionale. Il a invité le Cameroun. Ça s'explique. Il n'a pas invité le Cameroun. Un accord de principe a été obtenu pour que cette visite-là ait lieu plus tard. Merci, M. le Premier ministre. Cher ami internaute de 21 août, nous étions en compagnie du Premier ministre de la Centrafrique, Nicolas Tiangaï. On dit merci pour votre écoute et merci, M. le Premier ministre, pour votre accueil et pour ce que vous nous avez réservé comme parole. J'ai le droit de vous remercier et puis tous mes encouragements. Merci, M. le Premier ministre. Merci.